89.5. Objectif week-end, sport, direct. Et voilà les amis, j'accueille tout de suite Mickaël Mendes, le manager général de Gol FC. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Samy. Merci d'être avec nous. Mickaël, le Gol a remporté son match vendredi. C'était un match comptant pour la 11e journée du championnat national face à Nancy sous le score de 1-0. Le but inscrit par Concalves Pereira à la 11e minute. Une victoire qui fait du bien parce que Gol maintenant classé 10e avec 13 points. 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Bilan après justement 11 journées. Eh ben déjà, Samy, c'est important de renouer avec la victoire parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas gagné. Donc concrètement, ça nous redonne un petit peu d'air et ça nous fait du bien. On sait toujours, comme je l'avais dit la dernière fois, que ça va être ultra serré. Donc il faut arriver à faire des séries pour rester dans le haut du classement. On l'a fait. Le bilan, il est plutôt positif. Hein. On aurait signé tout de suite en début de saison avec ce bilan-là, surtout qu'on a gagné à Sochaux contre le Restart, Nancy, de belles équipes. Donc voilà, on apprend, on continue d'apprendre. Rien n'est joué, c'est pas simple. Tous les matchs sont très heurtés. Il y a beaucoup d'intensité. Voilà, on a eu beaucoup de blessés aussi, donc on laisse des plumes à chaque fois. Donc ben voilà, on est satisfait quand même malgré tout et on continue l'apprentissage. Il nous manque, on va dire, les points d'Avranche où on aurait dû gagner, qui nous permettraient d'être encore un petit peu plus haut au classement. Maintenant c'est pas si mal que ça. Voilà, après il faut qu'on joue Cholet, Niort. Faut qu'on continue sur cette lancée-là, continue à bien travailler sereinement. Et là, je sais pas si tu vas me poser la question, non, mais avec la Coupe de France. Oui. Il y a une autre question qui s'impose justement concernant le match de Nancy. C'est le retour de Gol FC à domicile. Donc Gol FC n'est plus un SDF, a retrouvé son terrain, sans public. Et c'est un rendez-vous important, c'est un événement important. Oui, on avait à cœur de jouer chez nous parce que c'est toujours pas simple hein, malgré les excellentes conditions d'accueil que nous a réservé Saint-Priest, voilà, en étant toujours à notre écoute et pour nous aider à être là. Bon, c'est malgré tout, on n'était pas chez nous, donc il était important de revenir. On a mis un petit peu de temps à avoir ces fameuses lumières, donc elles sont là maintenant. On va pouvoir enchaîner à domicile et retrouver nos habitudes. Ouais, salut Mickaël, effectivement, les bonnes vieilles habitudes de Chasselet, tu m'as reconnu. Ouais, c'est vrai, en plus tu dis l'accueil ici à Saint-Priest et les gens qui sont venus vous voir aussi de la région, même s'il y a certains supporters qui ont fait le déplacement, je les ai encore vus ce vendredi à Chasselet, c'était vraiment top, merci en tout cas au club de Saint-Priest. Moi, ce que j'ai encore vu avec un superbe tableau lumineux, effectivement, qui fait très Ligue 2 presque, j'allais dire, enfin bon, national. Des aménagements aussi au niveau des accueils derrière les tribunes avec des buvettes sur la latérale qui sont vraiment sympas, qui donnent ce côté convivial encore renforcé. C'était déjà très convivial, hein, Gol FC, Chasselet. Et l'accueil aussi, ça c'est nouveau. D'une bonne centaine de supporters nancéens, bon, un peu frustrés par la défaite. Et puis, alors, c'était un match aussi particulier parce que je sais qu'il est très humble et qu'il souvent aime bien mettre la lumière sur les gens du club, les joueurs, les entraîneurs et toi-même. Mais c'est Jocelyn Fontanel, bien sûr, qui est quand même le président du Gol FC. Et je voulais que tu nous dises un petit peu comment il a vécu ce match particulier, parce que lui qui était formé à l'Olympique Lyonnais, qui est passé par la Duchère, avait aussi été professionnel en Ligue 2, Ligue 1 même, à l'AS Nancy-Lorraine. C'est aussi son ancien club où il avait été coaché par Aimé Jacquet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment il a vécu ce match et cette émotion de cette première à cette saison à Chasselet? Ouais, c'est sûr que déjà, alors on l'avait noté tous dans le calendrier, hein. C'est le sens de l'histoire de recevoir Nancy quand on a vu qu'on allait
prendre un petit peu de temps pour jouer à domicile. On avait tous coché avec dans un coin de notre tête cette date de Nancy, justement pour rendre hommage au président qui s'investit depuis plus de 12 ans maintenant, et financièrement et aussi avec beaucoup de temps passé pour le club. Donc quelque part, c'est une récompense d'accueillir Nancy chez lui. Voilà, pendant le match, il avait des textos de Grégory Vembe, l'ancien portier historique du club. Il était heureux, hein, tout simplement, parce qu'effectivement, il y avait un peu de monde, il y avait un peu voilà, cette ambiance un peu, on va dire, de village gaulois qu'on veut faire perdurer avec des buvettes un peu de partout. Un joli match, on n'a pas pris de but. C'était un président heureux en tant qu'ancien défenseur central. Il attache beaucoup d'importance au but non encaissé. Donc il était satisfait. Maintenant, il est comme tout le reste du club. Hein, c'est qu'une étape de plus. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. Et maintenant, on est tous concentrés sur, et lui le premier, sur les prochains matchs. René. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Oui, vous avez fait un excellent. D'abord, félicitations pour votre victoire contre Nancy. Et merci. C'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, vous avez fait des bons résultats contre le Restart, Sochaux. Quand même, vous avez une équipe, une très bonne équipe. Et maintenant que vous avez retrouvé votre stade, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Oui, c'est tout le mal que je nous souhaite. Ouais. Après, je pense que les joueurs, je pense que, comme je l'ai dit, moi, en interne, on avait trop bien commencé. En fait, et on a oublié à un moment donné qu'il fallait être à 150% pour les matchs, pour battre des monstres comme le Ristar ou s'imposer à Sochaux. Oui. Et on sait pas qu'on a fait preuve de suffisance, mais on a mis un petit peu moins de bons ingrédients. On avait un peu plus de contestation, un peu plus de mal-levée, un peu plus d'attitude négative. Et qui nous ont frustrés parce qu'on doit s'imposer à Avranches. On a la balle du 2-0 avec un pénalty manqué. On le fait pas. Le gardien égalise. On n'a pas eu aujourd'hui aussi beaucoup, beaucoup de chance. Voilà, avec Martigues, mon père Malikassev, qui est un de nos meilleurs joueurs dans l'impact physique, il subit une grosse faute. Il n'y avait même pas un carton jaune. Il a été arrêté. Enfin, il est encore arrêté 2 mois. Donc, tous ces petits détails-là nous ont fait basculer dans le mauvais sens, mais voilà, la bonne réaction de Contenancy, ça n'a pas été simple, parce que c'est quand même une belle équipe, un beau club, et le fait de ne pas avoir encaissé de but nous conforte un peu dans l'idée, hein. Le coach avait choisi de nous faire lever, parce que moi je suis un peu l'équipe aussi au quotidien, aux entraînements, mardi et mercredi à 6h du matin, pour une petite piqûre de rappel qui était nécessaire. Donc si on garde nos valeurs, nous on est un club vraiment, il faut qu'on soit humble, travailleur, et rigoureux, si on arrive à garder ce mental-là, on ira chercher d'autres résultats et le maintien qui est notre objectif, ça c'est sûr. Bien sûr. Et si on fait preuve de suffisance ou d'état d'esprit un petit peu moins bien, ça sera plus handicapant. Donc vraiment, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on a le destin entre nos pieds, parce qu'on a trop grosses équipes face à nous, mais voilà, il faut qu'on garde c'est notre force, elle est là, elle est collective, et c'est cette solidarité qui nous permettra de rester en National 1 la saison prochaine. Michael, le stade de Ludo Joly, est-ce que Ludo était là ou est-ce qu'il sera là pour les matchs à venir? Non, mais il passe de temps en temps. Là, il était descendu, il réhabite dans le sud de la France. Donc, il se balade un petit peu aussi sur les plateaux télé, mais bon, il est toujours très en contact avec nous assez régulièrement et il suit les résultats, même s'il n'est pas là avec attention. Ouais, mais il y a son dernière question, Sébastien. Ouais, il y a sans doute son papa aussi qui est là, parce que tout ça, c'est aussi une histoire de famille, Doumé. Oui, tout à l'heure, on était avec Saint-Priest juste avant, dont tu reconnaissais, remerciais l'accueil qui a été fait pour ce début de championnat. On était juste avant avec Alain Réal, avec l'association Mémoire Minguette sur le match, un match football amateur, on va dire, avec les anciens des Minguettes. Et Enzo, bien sûr, qui est actuellement blessé et qui joue au Gol FC. Le football lyonnais est quand même tous une grande famille. En plus, on est tous supporters de l'Olympique lyonnais. Mmh. Et Mickaël, je sais très bien qu'il était aussi un membre actif dans les tribunes, supporter. Voilà, c'est aussi ça qui fait que la solidarité entre les clubs doit tirer tout le monde vers le haut. Ouais, tout le monde vers le haut. Ouais. Et Gaulle, franchement, vous êtes le village gaulois, et je pense que c'est une bonne petit village gaulois, mais lyonnais, et avec cette identité-là. Ouest lyonnais, et en même temps, effectivement, une association qui grossit avec des clubs, des villes qui s'agrègent.
Le projet est très joli et ça donne qu'une seule envie, c'est de les encourager à chaque fois qu'ils jouent. Et j'espère que aussi cette jeunesse qui vient présente souvent à Chasselet et était aussi à Saint-Priest, qu'il y aura peut-être aussi des petits déplacements pour tous ces supporters et tous ces jeunes avec un vrai enthousiasme. Et ça fait, voilà, ça, c'est très rafraîchissant. Bravo à tout le boulot qui est fait en tout cas. Ouais, c'est gentil, c'est merci. Bon, je suis en route pour le Groupama. Hein. Ouais, c'était à Blavozy. Je rentre de Blavozy avec la réserve où on a gagné 4-0. Bravo. Alors, coach, j'ai fait le banc. Mais voilà, puis après, on va aller au stade. Et moi, je salue aussi, parce que c'est important de le dire, si j'ai encore une minute, c'est notre section futsal qui est en Ligue 1 futsal, que j'ai été voir hier, qui a gagné le premier match il y a une semaine, qui ont fait 5-5 hier. Il y a aussi un objectif maintien important, et si on peut laisser les couleurs du Gol FC en Ligue 1 futsal. Ah, Ligue 1 N1. Futsal, c'est ça. L'élite du futsal français, oui, et Gol est là, il représente. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Ça, ouais, c'est sûr. C'est Anthony Gandhi fait un boulot phénoménal. Donc, c'est là où, voilà, ça, de rester à ces niveaux-là permettra à nos jeunes de continuer de grandir et puis de véhiculer les bonnes valeurs aussi, puisqu'elles sont importantes chez les jeunes. On a atteint le niveau ligue l'année dernière en U15 et U16. Ouais, les U15, les U13, ils m'ont dit qu'ils étaient contents, ils ont gagné l'OL 4-3, ils étaient contents. Ils m'ont dit on a gagné l'OL 4-3. Donc ça veut dire que ça bosse aussi très très fort au niveau des jeunes à Gaulle, et ça c'est prometteur. Voilà. On essaye de faire au mieux. Michael, la magie de la radio. Qui se projette. Ouais. Et un bon coup à jouer, peut-être en accélérant sur le côté droit. On va chercher Tom Minaudier qui va arriver dans la surface de réparation. Le centre parfait, au deuxième poteau et l'ouverture du score. Tout était parfait. Michael, un petit mot sur le match ce soir entre l'Olympique Lyonnais et Clermont-Ferrand. C'est un choc de bas de tableau. Débat classé, oui. Ouais, il faut absolument que l'OL puisse arriver à prendre des points, puisque bah, ça serait une catastrophe de voir l'OL descendre en Ligue 2. C'est pas ce que je souhaite. Et bah, voilà, il faudra commencer à réinverser un peu la mauvaise passe en gagnant dès ce soir et en relançant la saison. Bon, on verra ce que Fabio Grosso va apporter, peut-être un peu plus de rigueur, mais il faut prendre des points. Donc, objectif 3 points ce soir. Et je le sens bien. Top, bon match. Merci. À bientôt, ciao. À bientôt, Michael. À bientôt, merci. À bientôt. Déjà, merci. Bonne au revoir. Soirée à vous. Au revoir. Pour ce blason frappé du lion, à tes côtés toujours nous chanterons. Pour les canuts jamais vaincus, ce chant résonnera dans nos rues. Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais. Sport Actu salue ses fidèles auditeurs et leur souhaite la bienvenue sur notre antenne. Vous pouvez nous écrire à l'adresse mail sportactu@radiopluriel.fr.